Vous savez que ce sont ces trois qui ont commis les exactions les plus atroces, les plus barbares, inhumaines au camp Alpha Yaya. Vous le savez. Et c'est devant vous que M. Destin, Begré, Sankara ont été exécutés, déchiquetés à Lambo. C'est devant vous, vous le savez. Quelle est la question? La question, c'est de savoir pourquoi avez-vous accepté de sauver certains comme Marcel et cautionner l'assassinat de Destin, Begré et Sankara. Pourquoi? Vous comprenez? Rien de ceci n'a été passé devant moi. Mais tout cela s'est passé devant vous, mon colonel. Ne discutez pas la réponse. D'accord. Dites-nous, mon colonel, qui commandait les trains des escaliers après les événements du 3 décembre? N'est-ce pas vous et Marcel? N'est-ce pas vous et Marcel? Avant et après, c'était paix à son âme. J'ai bien dit, c'était le commandant Diamankan, qui était le chef de bataillon du BSI. Oui, mais après les événements du 3 décembre, personne ne contrôlait, ne donnait des ordres au train d'escalier si ce n'est pas vous ou Marcel. Vous le confirmez? Vous le reconnaissez? Il y avait toujours le chef de bataillon qui était le père à son âme, le commandant Diamankan, celui qui commandait le 32 escalier. D'accord. Pourquoi vous avez enlevé à leur cabinet là-bas? Parce que c'est vous qui l'avez envoyé. C'était le patron du 32 escalier. Il y a eu tellement de morts, vous-même vous avez fini par l'enlever. Vous l'avez fait remplacer par qui? Je n'ai jamais envoyé un militaire garder le camp 32 escalier, parce que 32 escalier relève du chef de bataillon qui est paix à son âme, commandant Diamankan. Ça ne relève pas de moi. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un là-bas. Oui, mais quand Marcel venait couper le nerf de la séville des détenus là-bas pour les empêcher de se lever jusqu'au lendemain, jour de leur exécution, où étiez-vous, vous, comme colonel? Moi, j'étais à Conakry, mais je n'étais pas informé de ces trucs-là. Malheureusement, tous ceux qui étaient arrêtés et enfermés au train d'escalier, personne n'en est sorti vivant. Pourquoi cela, étant ministre de la Sécurité présidentielle? Moi, mon commandement n'arrivait pas à ce niveau. C'est pour ça que j'ai dit que je n'en sais rien de ça. Donc c'est Marcel seulement qui commandait les 30 escaliers? Ah, ils sont là, vous pouvez les demander. Parce qu'après les événements du 3 décembre, la famille du président Dadis, chacun faisait ce qui lui semblait. La question. Mon colonel, parlez-moi du BSC, bataillon spécial de Conakry. Parlez-moi de ce grand immeuble qui se trouve au camp Alpha Yaya. Et à quelques mètres de cet immeuble où se trouvent les 32 escaliers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais vous parlez de l'immeuble. L'immeuble, ça, c'est la direction. C'est la direction du chef de bataillon. 32 escaliers, ça, c'est différent. 32 escaliers, ça, c'est en bas, là-bas, à la rentrée du calfer, à ta gauche. Voilà, le bâtiment qui était là-bas, c'est ce qu'on appelait 32 escaliers. Oui, le jour où on a ramené Begré, Sankara, vous étiez là. Il y a même des vidéos où on vous voit. Vous étiez là. J'ai bien dit. J'ai dit, quand ils ont envoyé Begré, ça nous est trouvé au camp Alpha Yaya et à la présence du chef de bataillon par les douaniers. Donc, ils ont fait un compte-rendu au chef de bataillon qui était paix à son âme, le commandant Diamankan. J'ai bien dit ça. J'étais bien présent. Mais les ordres ne se relevaient pas de moi. Bien, mon colonel, pour finir avec vous, parlez-moi, entre votre groupe et celui de M. Marcel. Est-ce que vous pouvez continuer? Oui, on peut continuer. Très bien. Merci, M. le Président. Dites-nous, mon colonel, entre M. Marcel et vous, qui de vous recherchez? Qui de vous disait tout de suite rechercher M. Saloudalen au stade avec des propos ethniques, armes à main? Qui de vous a essayé de tirer sur lui et qu'un de ses hommes a pris la balle
à sa place. Maître, vous insistez trop sur des propos ethniques. Oui, mais... S'il vous plaît. Je ne raconte pas ce qui s'est passé. Non, vous insistez trop sur ça. Propos ethniques. Propos ethniques. Ça dérange le tribunal. On avait dit la dernière fois, ces propos-là... Mais je ne reprends même pas les mots. Les mots sont conditionnels. Je vous le rappelle. Voilà, donc débarrassez-vous de ces propos-là. Voilà. C'est compris, monsieur le président. Dites-nous, mon collègue, qui de vous le recherchait, arme à main? Qui de vous a essayé de tirer sur lui? Et un de ces hommes a pris la balle à sa place. Je n'en sais rien. Marcel. Je n'en sais rien. Étant proche du président Dadis, étant son ministre de la sécurité présidentielle, pourquoi vous n'avez pas tenté de le dissuader afin qu'il accepte au moins que le blessé, notamment M. Cédric Dalin, sorte de la Guinée pour aller se soigner? Pourquoi avez-vous donné des instructions à l'aéroport pour qu'il ne sorte pas? Pourquoi? Je n'en sais rien. D'accord. C'est bon, monsieur. Je vous remercie, monsieur le président. Est-ce que vous avez fini? Merci, monsieur le président. La partie civile n'a pas fini, monsieur le président. Avec votre permission. Mon colonel, j'ai deux ou trois questions à vous poser. Mon colonel, j'ai une remarque. La plupart de vos témoins ou des auteurs des exactions que vous reconnaissez sont tous morts. Je cite Diamankan, Aïdor, Bégré, etc. Et pourquoi ça? Reprenez la question. J'ai dit bien, mon colonel, j'ai dit pourquoi la plupart de vos témoins que vous citez ou des auteurs des exactions que vous-même vous reconnaissez. Je parle de ce qui s'est passé au 32 escalier. Sont tous morts. Ah, mais ça, c'est indépendamment de moi. Ça, c'est Dieu. Mais quelle coïncidence. Les exactions qu'on vous reproche, vous, vous reconnaissez ces exactions, mais vous dites que vous n'êtes pas auteur de ces exactions, les personnes que vous indiquez en tant qu'auteur de ces exactions sont tous morts. Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci. Le tribunal appréciera. Mon colonel, vous avez parlé de votre bravoure, même. Moi-même, je suis convaincu de votre bravoure. Mais je suis un peu intrigué. Le jour du 28 septembre, étant à Bambeto ou à Koza, vous avez été informé par la population que les militaires sont en train de tirer sur les manifestants au stade. Au lieu de continuer au stade, vous êtes très influent, vous pouvez arrêter quand même sur le champ, agir sur ces militaires-là, parce que vous êtes très influent dans l'armée. Vous êtes parti au camp. Et vous avez vous-même informé le président Dadis, comme quoi ça ne va pas au stade. Les militaires sont en train de se comporter très mal au stade. C'est vos propres termes. Et le président était très fâché. Comme le président a informé déjà, vous êtes l'homme des missions difficiles. Le président ne vous a pas dit, allez-y au stade,
votre présence pourra empêcher la continuation de ces exactions. Le président ne vous a pas dit, et vous-même, en tant que l'homme fort de l'armée, vous n'avez pas pris l'initiative de partir au stade pour empêcher. Vous êtes rentré chez vous, vous reposez. Et pourquoi ? Quelle explication pouvez-vous donner à ça ? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse ? Oui. Mais vous étiez informé quand même ce jour-là que la vie des personnes était en danger au stade. Vous avez été informé, vous-même vous l'avez dit ici, vous avez été informé par la population. J'avais déjà répondu à cette question.